intro avant intro, et je vous promets, j'allais dire que ça allait être court, mais en fait il y a encore quelque chose qui suit, mais je vous tiens pas très longtemps. Donc comme d'hab, pour les persos DLC, j'ai bien mis celui qui trouve les persos DLC, je lui tape une dédie. Alors y a... Ok, Goku, ça a bien commencé, tu vois. Troisième Raikage, Conan, Tenten Jun, Utakata, Rin, Kushina, Shisui, y en a eu des persos... Konamaru, Hiruka, Tenten. Tenten, il revient beaucoup plus souvent que les autres. Pain. Bon, Killer Bee, Kakuzu, Indice, Kabuto, combien d'essais? Bon, franchement, vous avez balancé là trop de persos, j'ai cherché. J'ai mis, hein, pas d'indice, vous pouvez me spammer. Orochimaru, Sasuke, Orazuma, Karin, Sakura, Hinata, Ochoji, Kushina, Mei. Alors, il y a tout le monde qui a cherché, sauf un... Enfin, tout le monde qui a cherché, pour en parler, tout le monde qui a balancé des persos. Et le gagnant, Aurélien Gamer, qui nous balance Kimuro. Ouais, c'était le perso délaissé du jour. C'était pas compliqué, hein, quand même. Bon, les gars, bon visionnage, et je vous laisse tout de suite, je vous tiens plus long... pas trop... bien trop longtemps. Merci. Yop tout le monde, c'est Way, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Probablement que je vais redire ce que je viens de dire pendant la vidéo. Mais j'avais envie de faire un petit truc que j'ai jamais fait. C'est justement choisir le commentaire. Du moins le perso délaissé. Bon, ben, c'est vous qui me le proposez, vous avez compris. Choisir l'abonné qui me proposera le perso délaissé avec vous. Histoire de vous montrer un peu comment je procède. Parce que parfois c'est un petit peu... Ouais, yop tout le monde aussi. C'est un petit peu flou. Alors, comment je procède? Alors ça va être simple. Déjà, bon ben je prends la vidéo en question. Tu vois, tu peux laisser un like ou un dislike, c'est comme tu veux. Mais alors, je prends la vidéo en question. Alors désolé, je suis un peu... tu vois, de temps en temps, j'ai le nez qui coule. Mais t'inquiète, ce sera coupé au montage. Non, celui-là sera peut-être pas coupé au montage. Tu vois, voilà, celui-là non plus. Mais s'il y en a d'autres... Peut-être que j'anticipe et je me mouche et il sera coupé au montage. Mais bon, on s'en fout. Alors, du coup, je mets ici les plus récents. C'est juste pour avoir tout le monde. Parce que quand je mets top, généralement, il y en a que j'ai pas. Alors, je descends généralement tout en bas. Je vais prendre directement le premier commentaire. Et je monte. Je monte, je monte, je monte. Et je vois directement le perso qui m'intéresse le plus. Alors, je sais déjà qu'il y a Tenten. Vous avez été plusieurs à me le proposer. Il m'intéresse, mais je suis pas chaud en ce moment, Tenten. Tu vois, j'attends d'avoir un petit peu plus de level, tu vois, parce que je sais bien que Tenten c'est chaud. Alors on m'a proposé aussi du Neji. Sachez aussi que maintenant qu'on est dans Storm 4, quand on proposait un perso avec des soutiens, voilà, proposer le perso. Ah non, autant pour moi. Je te dirais Naruto Genin. Ouais, c'est vrai, Naruto Genin, j'avoue qu'il est un peu délaissé. Enfin, un peu, il est délaissé, il me semble. Il a toujours été délaissé d'ailleurs. Mais bon, je suis en train de checker. Donc le truc c'est que, allez, je cherche un commentaire. Donc là par exemple je vais couper au montage le reniflement maintenant. Voilà, bon, vous avez entendu, mais je me suis bien mouché comme il faut. Donc je prends généralement un commentaire avec une petite description. Vous allez voir, d'ailleurs merci beaucoup pour vos commentaires. Voilà, je les ai pratiquement tous lus. Quand je laisse des likes, c'est que voilà, je l'ai vu, mais j'avais pas le temps de répondre, j'ai mis un like, j'ai passé au commentaire suivant, etc. Parfois je fais ça comme ça. Mais j'ai vu vos commentaires, ne vous en faites pas. Alors bon, par exemple ici. Donc sinon, donc Apharos qui nous propose Rin, ou Lin, je sais pas comment on prend, Lin, je sais pas, mais je sais que c'est avec un elf, enfin bref, on s'en fout. Je la vois pas trop en ligne, et puis je la kiffe, elle est trop stylée, tu pourras mettre des bons gros bouts de bois d'avache dans des où tu vois, franchement le délire il est bon, tu vois, ça me fait délirer. Mais je me dis, peut-être qu'il y a peut-être autre chose, tu vois, donc là je me dis, allez, Rin c'est en stand-by, je l'attends, tu vois. Je sais qu'en plus quelqu'un d'autre m'a proposé Rin. Alors je check, dédicace à David, tu te vois. Attendez, je check. Pop, je suis en train de regarder. Vivre Orochimaru Sama, c'est peut-être... Il dit ça peut-être pour que je le propose, enfin pour que je l'utilise ou... je sais pas, parce que dans la vidéo il me semble que je l'ai utilisé. Je vais me dédicace à le boss. Je continue de monter, je check. Voilà, par exemple ici on a un petit pavé. Tu vois, là le pavé il est comme ça, tu vois. Tu sens qu'il est tendu. Donc là je vais lire en diagonale, donc ça veut dire que je vais lire très vite. Bref, perso délaissé pour toi. Donc là il nous fait une description en mode il faut que tu devines. Ça j'aime beaucoup ce genre de choses. Elle a travaillé chez Disney pendant très très longtemps. Les gens la connaissent, le nom de Mickey. Ça c'est Tenten, je le savais déjà, elle est où? Ouais, ok, la petite voix, ouais, Tenten, j'en étais sûr. J'en étais sûr, Tenten. Mais par exemple, voilà, là je laisse un like, ça veut dire ton commentaire m'intéresse. Quand on me propose des persos, ton commentaire m'intéresse. Genre, allez, je le mets de côté. J'irai même peut-être le rechercher un autre jour quand il n'y a pas de perso qu'on me propose. Ça peut arriver. Mais là, le commentaire m'intéresse. Il est fourni. C'est un truc. C'est un bon gros pavé. Je vais le lire avec vous. Enfin, voilà. Donc, en plus, tu commentes...
pas qu'une fois, je sais que tu commentes pratiquement toutes mes vidéos Naruto. Rocket League, on en parlera pas dans cette vidéo, mais bon, moi je sais. Alors, Saiku, il nous avait dit quoi? Ah non, ça n'a rien à voir, mais merci à toi, j'avais lu, t'inquiète. Ici, il nous avait dit, un verso, trop bien. Voilà, c'était ici, Lin, voilà, Rin encore. Deuxième fois qu'on prend Rin. Donc là, je me dis, peut-être Rin, faudrait que je l'utilise. C'est comme ça que je fonctionne, hein. Donc je me dis, ah, peut-être que Rin, vu qu'on me le propose souvent, ouais, peut-être que je l'utilise. Alors non, en fait, hein, il n'y aura pas de Storm 5. Il me semble qu'il y aura une suite Road to Boruto, mais c'est un DLC, un truc comme ça, mais pas de Storm 5. Je pense pas. Je remonte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je check, je check. Alors ici, c'était... J'ai mis un like parce que c'était celui que je voulais faire dans cette vidéo. Donc je vais le mettre en stand-by. Je le relirai tout de suite après. Ce sera celui-là que j'ai choisi. Je vais vous dire pourquoi. Ensuite, je monte un petit peu. On a ici, me semble... Non, rien à voir. Il faudrait que j'aille le lire, j'ai toujours pas fait. Tenten, encore une fois, je vous ai dit. Tenten, c'est un truc de dingue. Vous me l'avez tous... Enfin, tous. Beaucoup m'ont proposé. Ici, on a eu Roshi. Roshi, j'aime beaucoup. Et ça m'intéresse. Pop, 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 pop. Sinon, un perso de DLC, je dirais Kaguya. Alors, Kaguya, franchement, je sais pas. J'ai lu ton commentaire. Mais Kaguya, j'hésite. Kaguya, je sais pas si elle est DLC, si elle ne l'est pas. J'hésite. Alors, je t'avouerai que j'ai lu la première phrase, je lirai plus tard, mais j'ai lu que la première phrase. Peut-être qu'il y a une bonne description. Mais enfin bon, vous avez un petit peu compris, vite fait, bien fait, comment je choisis les commentaires. Alors, je vais vous dire directement, je claque des doigts, 2 secondes. Voilà. Alors, donc, Gold D. Ryan. Déjà, j'aime bien le petit pseudo, voilà, la petite dédicace à One Piece. Donc, salut, ouais, j'ai une super idée de team. Pourrais-tu prendre Anabi et Kimimaro? Au début j'ai dit attends, Anabi, Kimimaro je veux bien parce que Kimimaro j'adore déjà, mais Anabi je sais pas. Alors bon, j'ai lu la description, j'aimais plutôt le délire. Bon voilà, c'est un tout petit délire, mais je l'aime bien. En plus, Goldie Ryan, c'est pas quelqu'un que j'ai vu souvent commenter, donc j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un de nouveau. Je me dis allez, ça fait quand même plaisir, on va le prendre. Donc ce sont deux personnages délaissés. À vous de me le dire, hein. Moi Kimimaro, je sais qu'il est délaissé et c'est pas de maintenant. Mais Anabi, je sais pas. Anabi, il me semblait qu'elle est plutôt beaucoup utilisée en soutien, mais bon, on verra bien. Donc ça fait la team Toupie à cause de leur Jutsu, et c'est ça qui me fait plaisir. C'est vrai en plus, c'est que les deux ils font un genre de toupie. Le délire était bon. Alors tu peux faire une petite dédicace à Lobos, vrai Kimimaro, et ensuite un petit défi. Si tu mets l'incliné de Kimimaro, respect. Alors là, je me suis dit, il faut que je le place. Je vais le placer. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Super vidéo, ça me rappelle le temps de Révolution. Ah donc, à mon avis, il est arrivé au moment de Révolution. Ça va, c'est un ancien, je pense que c'était un nouveau. Non, rien à voir. Rien à voir. Bon, Goldie Ryan, je prends ton commentaire. Merci. Et puis voilà, j'espère que tu vas kiffer. Je vais jouer à ta sauce. Désolé pour le reniflement. Je vais jouer à ta sauce. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Allez, je claque des doigts, on se retrouve avec le premier adversaire direct. Ou peut-être l'intro en fait. Non, l'intro d'abord et puis le premier adversaire. Ouais. Attends, les choses dans l'ordre quand même, hein. Allez, let's go! Friday flips number 5. Illa illa M fizzle on the track. Levels of Beachy, cause Flo Rida didn't do it justice. Enfin! Enfin, j'ai trouvé quelqu'un! Quel truc de ouf! Flore statistique, Naruto, Minato, Sasuke, enfin! Je vous jure, ça fait, sans déconner, au moins 10-15 minutes, je cherche quelqu'un. C'est un truc de ouf. Ouais, mais ouais, tu peux créer. Non, je crée jamais. J'aime pas créer, c'est ça, j'attire trop les mecs dangereux. Je préfère rejoindre les mecs dangereux. Tu vois, c'est une petite technique. Bon, alors attendez, attendez, parce que Goldie Ryan nous avait proposé un bon petit perso. Et en plus, ouais, vous allez me dire, dans le match, on voit pas. On voit pas qu'il est réincarné, mais je le préfère en réincarné, quoi. Je sais que dans le match, pendant le combat, t'as même pas le temps de regarder ses yeux. Je crois que tu vois même pas ses yeux. Enfin si, il faut te mettre à l'écran. Et l'autre perso, c'était... où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est, plutôt? Ta-ta-ta-ta-ta-ta... C'était ouf, j'ai cru que j'allais pas la trouver. Alors, Anabi en tenue de... Ouais, vous allez le voir de toute façon en soutien, mais en tenue de Shippuden, elle est trop 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 stylée. C'est un petit kiff perso.
C'est un kiff perso. Bon, allez, on va voir ce qu'il va. Peut-être des Uchiwa. Hein. Sur 3, je vote un Uchiwa. Voilà, mais la team est stylée. Ah, il a opté. À mon avis, ses connexions avec le perso, tu vois, assortiment, orange, orange, tout ça, tout ça. Il s'appelle Chicharito, donc ça sent mauvais. C'est dans le sud, tout ça, en Espagne, je crois. Ça sent l'Espagne, tout ça. Attendez. Non, ça va, les likes, ça va. On verra bien ce que ça va donner, de toute façon. Là, je lui fais le double. What? Par contre, les. Tu vas te calmer, ouais. Ah ouais, je dois placer le stick! Il me respecte si je place le stick. Merde. Vas te calmer, ouais. Je l'ai placé le stick, mais il a permuté. Je sais comment placer le stick. Hey, Sasuke, je te jure, tu pètes mon délire là depuis tout à l'heure. J'ai pas fait exprès, mais ça va être un joli combo. Victime. Ça c'était pas obligé quand même, hein. Victime. Bon, les dégâts. Attendez. Victime. Tu vas te calmer. Victime. Victime. Il va me péter. Victime. Je vais me laisser frapper. Il y a moyen de survivre. Tout est encore possible. Oh mon dieu, je vais jeter des kunai. Comme si Kyubi. S'il vient. Tout est encore possible. On va jouer avec quoi? On va jouer avec les autres. Oh, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Ok, tu veux la jouer comme ça chez Charito? J'avoue, je me suis fait calmer, j'avoue. Mais il faut de temps en temps. Reste ici, je vais te planter des os dans le dos, viens ici. Je vais en finir avec lui, je vous le dis, hein. Je vais jouer comme un cochon, je vais jouer comme un cochon. Prends pour qui là, hein? Tu me prends pour qui? Hop hop hop. Debout. Debout. J'ai dit je vais lui planter des os dans le dos, viens ici. Mais à qui tu fais le stick, Kimimaro, au bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible! Il va me faire un Rasengan. Ah non, c'est bon. Par contre, lui, je l'ai pas vu. Hein. Je sais pas d'où il vient, mais je l'ai pas vu. Les gars, écoutez le plan. Écoutez le plan, arrêtez de stresser. Hypermute, il se prend le. Tu dégages, Sasuke, tu dégages, mais fils ça! Alors là, le plan, peut-être pas le laisser se mettre en. Tu vois? C'est de le finir. J'ai mis le stick. Et comment il a fait ça? Il va se mettre en QB. Tu vas te calmer, je te. C'est fini pour toi. Il va essayer de se mettre en QB. Regardez, il veut se mettre en QB. Mais c'est terminé pour toi, Cesarito. Purée, il a fallu qu'il se mette en QB. J'ai failli me faire péter, c'est un truc de ouf. Bon, écoute, Kimimaro, c'est le seul mec au monde qui se bat avec ses os, ouais, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, allez, next. Allez, enfin, ouh, un perso de trouver, enfin, une personne plutôt. Rechler. Bon, Itachi, premier Hokage, Minato. Ça va, on est plus ou moins pareil. J'ai dit plus ou moins, ça va, arrête, hein. J'ai dit plus ou moins bon. On va reprendre notre ami Kimimaro. Cette fois-ci, on va le prendre en normal, tu vois. Bang. Alors, on a pris. Comment dire? On a pris un habit.
Ou alors, vous savez quoi? On va jouer à Nabi cette fois-ci. On va lui faire confiance. Il nous dit qu'il est délaissé. On va lui faire confiance. On va te faire confiance, Goldie, Ryan. On va prendre un habit, tu vois. Ah non, d'ailleurs, attends. On va prendre un habit, s'il te plaît, en la tenue que je kiffe. Je sais pas pourquoi, moi, je kiffe cette tenue. On revient à gauche, encore à gauche, encore. Ah, c'est ici. Et on va prendre Kimaru cette fois-ci en normal. Le type, il doit se dire, qu'est-ce que c'est que cette team? Et pour la dernière game, je vais garder Kimaru. Non, je vais garder le tourbillon, c'est le plus stylé, je pense, hein. Ouais, je vais garder le tourbillon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour la dernière game, je vais prendre Kimaro pour rester dans le thème perso délaissé, tu vois. Ici, en l'occurrence, on considère que le perso délaissé, c'est pour ça que ce stand 4, c'est un peu galère pour faire un perso délaissé, parce que je peux pas en faire deux, tu vois. Là, en l'occurrence, j'en fais deux, mais c'est juste pour le style, pour la petite dédicace à Goldie Ryan, mais on garde. Comment dire, on garde Kimimaro, il va faire que. Non, non, je pensais. On garde Kimimaro comme. Vous croyez que ça va? C'est cheaté, hein. Par contre, les. Comment on appelle? Oh non! Non, j'ai déconné! J'ai déconné. Non, on va pas le lâcher, tu vois, vu qu'il a plus de permute. Et hop, non, ça a pas marché. J'espère qu'il a pas le truc de la garde cheaté là. Merde, je voulais dasher en avant. Comment il a fait ça? Surtout que j'ai fait. Oh! Ça, c'est de la chance par contre, hein. C'est de la chance. Arrête, arrête. J'attendais que Orochimaru revienne, mais il est pas revenu. La bonne vieille technique de Storm G. Avec Kimi. Ah, mais non, c'était qui encore? Il y avait Kimimaro et il y avait Idan, je crois. La bonne vieille technique, tu vois. Hasta la vista, baby! Oh, les points du haké! Wouah, la TS est juste trop stylée. What? What? J'avais jamais vu la TS, hein. C'est bon, je l'ai énervé là. Je l'ai énervé. Reste concentré, ouais. Je reste concentré. Là, on va se laisser frapper, tu vois. On va attendre qu'il dash dans la garde. Regardez bien le plan. Tu fais le malin? Merde. On va gagner du temps, tu vois. Oui! Genre, c'est pas assez Sasuke en mode. en mode papillon. Allez, laisse-moi tranquille. Je vous ai dit, il est énervé. On va gratter dans la garde. Yes! La petite baffe. Sasuke, on est en train de le maltraiter là. Debout, Sasuke, debout, debout. Debout. C'est quoi son stick en fait? Non, non, les. Wow! C'est bien, Sasuke. Je vois qu'on apprend de ses erreurs. Ouais, non, par contre, cette technique, je la faisais sur Storm. Sur Storm. Il m'énerve. Faut pas trop que je le laisse en. Tu vois? Sa garde va péter. Mais qu'est-ce qu'il fait, c'est abusé! Ah, j'ai raté! Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai besoin de chakra. La garde pète. Ah ok, c'est comme Hinata en fait. Elle fait un petit mouvement et il me semble que ça continue en combo. Bon, je crois que lui, on va vite le finir. Allez! T'es sûr que tu veux pas que je me mette en éveil moi aussi? Gagner du temps. Reste comme ça, j'arrive, reste comme ça. Attends, parce que.
Putain, je me suis fait péter. Putain, Nabi, t'es nul en éveil, là. J'aurais dû prendre Kimimaro, là. Putain. Bon, écoute. Je crois que tu veux pas te laisser faire comme ça, Sasuke. Ne rêve pas trop, hein. Ne rêve pas trop au comeback, hein. Y'a que dans les films. J'ai eu peur que ça continue, hein. Par contre, il permet un peu trop vite à mon goût. On va le finir en TS. Wow. C'est dommage, hein. On va le finir en shop. Wow, la baffe qu'elle met. Attendez. Attends, parce que... Attends, je vais me concentrer, tu vois, il reste 1% de vie. Bon, veut pas que je fasse le con, tu vois. Ok, la chitance du tout. Bon, bah merci Goldie pour ces persos. C'est vrai que ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, je claque des doigts, on va continuer. On va terminer sur le petit Kimimaro. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de mecs dangereux. Par contre, ils se mettent tous en éveil, hein. C'est une nouvelle mode sur Storm 4 que j'ai loupé. C'est une nouvelle mode, attends que je croise un vrai éveil, tu vois. Bon allez, je claque dedans, on se retrouve maintenant. Enfin, statistique. Boruto, Sasuke, Naruto, j'allais dire Naruto. Naruto. Oh bordel. Yes, il a mis prêt. Enfin, c'est quoi ce bordel? Je ferme ma porte. Je la ferme bien, avec le courant d'air, c'est ouvert. Bon, on s'en fout. Allez, on s'en va prendre notre ami Kimimaro des. Allez, Kimimaro, il est là. Non, c'est pas lui. Il est là en bas. Voilà. Et alors bon. En troisième combat, je m'étais dit. Attendez, faut quand même que vous m'entendez bien. Voilà, a priori, vous devriez bien m'entendre. Bon, alors, Kimimaro, et je me suis dit, ouais, une petite team de persos délaissés, ça ferait pas de mal, tu vois. Alors bon, par excellence, notre ami Yamato. Et alors bon, dédicace parce que je l'aime bien, Jiraya. Et une petite dédicace à Ultimate Show, qui aussi kiffe énormément Jiraya. La dédicace est faite. J'ai fait un petit clin d'œil, je sais qu'il va la regarder la vidéo. Et je sais que ça va lui faire plaisir. Bon. Oulala, heureusement que je me suis équipé en perso DLC. Hein. Attends, on récapitule. Le Madara là, c'est violent, on va pas se le cacher. Le Pain, c'est violent, on va pas se le cacher. Le Raikage, moi c'est un kiff perso, je l'aime beaucoup. Donc il est violent quand même, mais ça va, je l'aime bien. Donc là, on jauge, on voit un petit peu comment. Tu vois, le mec il feinte, il me prend pour un gogol. Et là, boum! Bien, esquiver le bois. En plus, il joue bien. Eh, ça annule les dash. Ok. Je crois. What? Chat, les dégâts! Je crois qu'on a affaire à un lourd là. Et en plus, il bouge pas, il me charrie, tu vois. Mais. Ça lag ou quoi? Non, c'est bon. J'ai oublié que Jiraya n'allait pas aussi loin que ça. Ah ok, ça lag en fait, hein. Watch out, les lags, c'est abusé. Ah, j'ai cru qu'il allait changer de perso, tu vois. Qu'est-ce que tu nous fais? Wow, mais j'avais pas que c'était à ce point, ce truc. Non, tu vas te calmer par contre, hein. Tout juste. On peut y arriver, on peut y arriver. Ce n'est que Madara. Ce n'est que Madara. Ah ouais, par contre, il a les... Comment on appelle? Les défensifs, là. Et ça, c'est cochon. Vous croyez que quand il met sa petite garde, là, est-ce que je peux lui faire un petit chop? Parce que vous savez très bien qu'il a... Il a le pied très court. Wouah, mais combien de temps ça met pour faire le jutsu? Ça va, tant qu'il fait. Par contre, il m'arrache de la vie, c'est un truc de ouf. Yamato, quand tu joues comme ça, tu sais comment je kiffe? Non, là, par contre, je lâche plus, c'est bon. Ouais, tu peux faire des feintes autant que tu veux. Hein.
Jiraya, je sais pourquoi t'es délaissé, hein. On n'a pas besoin de l'expliquer. Ça passe, ça passe, ça passe. On envoie Yamato. Non, j'ai lâché dans son jutsu. Les gars, t'as Jiraya, tu le touches quand ça joue pas là. Quand il y a pause, tu touches. Non, 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 j'ai pas fini avec toi. Ça, c'est vraiment pour calmer le truc, tu vois. Yamato. Yamato. Tu me déçois, là. Toi et moi, on sait. Toi et moi, on sait. Ah, il fait le truc que je déteste. C'est-à-dire, garde. J'ai même pas fait exprès, mais je viens de le faire, tu vois. Ah, c'est parce que j'appuie trop vite, tu vois. Je t'ai baisé. Je l'ai niqué. Désolé pour les petites insultes. C'est dans le feu de l'action. On peut le dire. Je l'ai eu. Ah, tu vois, il le fait là. Bon, je suis obligé de permuter. Lui, il est pas con, il est pas con, le combat il est chaud là. Vous avez vu? Ça calme le truc. Vous avez bien vu, je suis pas fou, hein. Non, Jiraya, j'avoue. Jiraya, toi et moi on sait pourquoi t'es délaissé, c'est un truc. Pff, tout juste, j'avais changé de perso, ça a pas marché. What? Il touche. Y'a Jiraya qui touche. Putain, mais bien joué ça. Mais comment il fait ça? En fait, moi aussi j'ai. Bien joué. On peut y rêver, on peut y rêver, on peut y rêver. Concentre-toi. Une permute. Je vous dis. Je suis pas encore mort, mais je suis. J'ai pas de chakra, j'ai rien, Jiraya. It's been a long... Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Ne me défie pas si tu n'as pas la force d'aller jusqu'au bout. Oh mon dieu, la phrase elle tombe tip top. Bim. Oh, j'ai gagné, je suis trop content. Il était malaise, hein. La team des persos délaissés. La team des persos délaissés. La team des persos. T'es malade, mon vieux. T'es malaise, ils sont posés derrière, bras croisés, même position. Eh, la team ou pas la team? Bon. Là, ça fait du bien quand tu gagnes comme ça. Ah, tu te sens quelqu'un d'autre. tu te sens autre, je te le dis. Je te le dis, tu te sens pas comme les autres. Kimimaro vs Madara. What else? Non, je rigole. Franchement, ça fait plaisir. Eh, franchement, ils ont la même pose, hein. Yamato et Jiraya, ils ont la même pose. Puis t'as genre avec un bras en avant, c'est avec son épée. Bon, c'est pas une épée, mais t'as... Bon, c'est un os. C'est bon, c'est un os à lui en plus. C'est même pas un os qu'il a trouvé, tu vois. Non, il l'a enlevé pépère de son bras. Bref. La triple pose, elle est stylée.
Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était le deuxième perso délaissé. Je fais jamais de part de série. Enfin, je numérote pas les persos délaissés. Je l'ai fait comme je l'ai fait. Donc aujourd'hui, c'était Kilimarodes avec un habit entre parenthèses. Mais un habit, on va la mettre de côté. C'était juste parce qu'il l'a proposé. L'effet toupie, j'aimais bien, c'était cool. Mais aujourd'hui, c'était surtout Kimimaro qui est délaissé et c'est pas de maintenant. Et pourtant, je le kiffe. Dédicace à le boss, c'est fait. Avant que j'oublie. Puis surtout, dédicace à Goldie Ryan. J'espère que c'est ça, hein, pseudo, avant que je me trompe, je dis n'importe quoi. Mais c'est Goldie Ryan. Et puis, non, j'espère que je me suis pas trompé. Sinon, mille pardons. Mais je sais qu'il y a Goldie. Gold D. Et après, je pense que c'est Ryan, mais voilà. Bon, en tout cas, j'espère que toi, tu as kiffé la vidéo. Parce que bon, là, surtout à ton... Voilà, c'est surtout dédicacé pour toi, quoi. Et puis les autres, si vous avez kiffé, laissez un like, surtout. Et puis, n'oubliez pas de proposer votre perso DDC. Vous savez maintenant comment je procède. Donc, faites-vous plaisir. Un bon petit perso DDC. Il y en a une flopée, honnêtement. Étant donné que le jeu est délaissé, il y en a une flopée. mais bon... Vous dites pas que si je le prends pas, c'est que votre perso n'est pas délaissé, c'est juste que dans un kiff, j'ai pris un autre perso, comme je vous ai dit au début. Voilà, n'oubliez pas ça. Et puis c'est tout. Donc c'était Wesh, votre humble serviteur sur Naruto. Je kiffe parce que je termine bien la vidéo, tu vois. Un putain de combat, franchement, ça fait plaisir. Et t'as senti la tension dans ma voix. Hein. En tout cas, ça fait plaisir. Les gars, peace. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, c'était Wesh, ciao bye, peace, yo! She packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my wallet.